Bonsoir! Ou devrais-je dire... Oyez, oyez, car aujourd'hui, nous sommes à Provins, qui est une cité médiévale qui a gardé tous ses éléments d'antan du Moyen-Âge pour l'épisode 3 de YouTube Warriors, s'il vous plaît, mesdames. C'est fou, il y a du moulin, il y a du château, il y a de l'épée, il y a du pédestre. Tu n'as aucun lexique du Moyen-Âge. YouTube Warriors 3 donc est de retour. Le parcours d'épreuve le plus connu de YouTube avec aujourd'hui la Belgique en invité. Oh, là, oui, ça fait des films, et Jimmy là-bas. Yes, oh, bravo. Fais-moi un beat, fais-moi un beat. Quand je débarque dans la place, je ne séduis personne, je ne séduis personne. Hey ! Et pourquoi nous sommes au Moyen-Âge, Carlito ? Je suis désolé. On en profite pour remercier Lords Mobile, qui est un jeu de stratégie médiévale sur mobile, finalement, comme son nom l'indique. Sur smartphone ? Oui, tu m'interromps pour dire ça avec cette voix et ce visage, qui nous permet aujourd'hui de faire cet épisode que vous allez voir est dantesque. Donc c'est grâce à eux, et en plus c'est en rapport avec les épreuves du jeu. Sur un parcours dantesque. Nous permet d'avoir le budget nécessaire pour créer des épreuves folles inspirées du Moyen-Âge. Oh ! Merci Lords Mobile. Vous connaissez le principe, il y a les deux équipes qui vont s'infriter. Les Belges contre les Français. Les Belges qui s'affritent contre les Français qui s'affrontent. L'équipe qui fait le moins de temps gagne. Alors c'est-à-dire qu'on additionne les temps de chaque joueur, vous avez compris ? Exact. Il y a des malus, vous allez voir, vous vous rappelez le principe quand même, je suis obligé de remonter, vous le rappelez ? McFly, présentons les épreuves s'il vous plaît. Ok, c'est parti pour les épreuves. La première épreuve va commencer à côté de Titouan. Ça n'est pas Titouan, c'est le chevalier Guénolé qui a inventé le blé. On commence par un parcours d'obstacles assez simple. Petit cheval d'arçon, ensuite il faut passer sous la barre, monter sur l'épreuve d'équilibre avec le coton-tige, puis sauter au-dessus de la deuxième barre. Si vous faites tomber une barre, vous prenez un malus. Ensuite, le candidat devra courir pour se placer sur le tonneau, à cheval finalement sur un tonneau, tandis que son binôme devra le tirer très fort. Et le candidat qui est sur le tonneau a une lance, une vraie lance, hein, attention. Et il doit viser et récupérer les anneaux, tel un jeu vidéo, tel Sonic finalement, quelque part, il y a un petit rapport. Et en même temps, il n'y en a aucun. Et si vous n'arrivez pas à mettre les anneaux sur votre lance, vous prenez des malus. Malus, évidemment. On enchaîne sur la troisième épreuve qui est le grimoire. Vous allez tirer une phrase qui sera envoyée par SMS. Vous allez tirer ensuite un destinataire qui sera le destinataire de ce SMS. L'idée, c'est d'écrire ce SMS le plus vite possible, sans faire de faute, en rejoignant l'épreuve d'après. Vous allez voir, c'est très dur. Évidemment, à chaque faute, vous prenez un petit malus. C'est des smartphones de l'époque, hein, ceux de petits. Ah bah on a pris les trucs, ouais, du Moyen-Âge, quoi. Ensuite, tu as quel âge ? 14 ans. 14 ans. Comme on fait une épreuve spéciale Moyen-Âge, on ne sait plus parler. On ne parle plus. C'est pitoyable. Sûr. Ensuite, vous arrivez à l'épreuve culinaire. Il s'agit de manger le plus vite possible une cretonnée de pois. Croyez-moi, ça n'est pas délicieux. C'est un plat typique du Moyen-Âge. On a vraiment vérifié nos sources. C'est évidemment dégueulasse. Après la cretonnée, donc vous allez avoir le ventre un petit peu rempli et l'envie de gerbante. Vous allez monter sur le petit muret. Ensuite, monter à l'échelle pour arriver sur le toit. Et là, c'est l'épreuve la plus flippante. Il faut sauter dans la charrette. Une fois que vous sautez dans la charrette se décroche et elle cavale la pente jusqu'en bas. Et le saut doit être accompagné d'un dab. Ah bah oui. Si vous ne faites pas le dab, vous méritez un malus. Ensuite, la charrette, la chariote, enfin peu importe, enfin j'ai pas vécu à cette époque, pourquoi tu prends la tête ? Pour j'étais moi, pas là, c'est moi. Un multipla. Cette Fiat multipla de l'époque arrive en bas, et là vous devez courir votre race, ou votre mère au choix du lexique. Vous courez, vous courez, vous courez, pour arriver à l'épreuve du tir à l'arc, McFly. Ouais, c'est, en fait c'est du tir à l'arc. Il va falloir viser la cible. Si vous arrivez à mettre la flèche à l'intérieur du rond blanc, c'est bon. Si vous la mettez à l'extérieur ou qu'elle tombe au sol, ça fera un petit malus. Mais surtout, une fois que vous avez touché le centre de la cible, cela déclenche la catapulte qui enverra un objet personnel appartenant à l'EPRAF s'exploser 10 mètres plus loin. C'est l'épreuve finale. C'est quoi cette histoire de... Ah ouais. D'objet. Ah oui, on a oublié de te prévenir. Ouais. En fait, comme on voulait plus que tu sois le bouc émissaire, enfin tu nous faisais de la peine et puis on t'aime. Même le saut sur les gueules, c'était un peu. C'était trop, tu vois, on voulait pas te faire souffrir. Ouais. Du coup, on t'a pris 4 objets très personnels et de valeur affective assez incommensurable à ses yeux. C'est lesquels ? On a pris ton téléphone portable, ton ordi, ta clope électrique. Et ton dernier casque là. Le casque Bluetooth, c'est une farce. Ils sont là-bas, regardez à la caméra. Ça va toi ? Oui. Ça va bien ? Rappelons l'enjeu de ces vidéos, de cette saga. Celui qui perd donne les clés et les codes de sa chaîne YouTube à l'autre. Si on gagne, ce qui arrivera ! On mettra une vidéo sur ta chaîne ou sur la tienne. Et si vous gagnez, bah, vous n'êtes pas obligé de mettre une vidéo sur notre chaîne. Mais bon. Si. Et pour commencer le tirage au sort traditionnel, le cri le plus aigu. Choisis qui commence. Allons-y. Plus bas, plus bas. Pour l'instant, je suis haut. Ce visage. Ah, c'est horrible. Je l'ai trouvé. Tu l'as fait ? Ouais. Tic-tac, touk, le plat PI est en touk-touk. C'est moi ? Ouais. C'est ce que je voulais, parfait. Il est bouillant, pour lui, c'est pas négatif de commencer. Are you ready for YouTube Warrior 3 ? Yes ! Allez, c'est parti ! C'est parti ! 3, 2, 1... Allez, casse ! Allez, file ! En place, les garçons ! Ok, Jimmy, t'es en place avec Titouan ? Je suis là ! Et
Embrasse Titouan, embrasse Titouan. 3, 2, 1. Oh, il est parti, il est parti. Allez, mon champion. Allez, mon champion. Quelle agilité. Très dur. Pour l'instant, ouais, c'est incroyable. On va déjà perdre. C'est un temps. Vite, vite, va l'aider, va l'aider. Mais va l'aider, enfin, qu'il est con. Allez. Qu'il est con. Voilà, voilà. La lance. On est bon. La lance, la lance. Mais il était gouré de côté. Il l'a prise à l'envers. Malus, malus, il l'a prise à l'envers. Oh, ça m'étonne. Mais attends, oh, merde. Non, il arrive tout. Non, 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 la deuxième, il a raté. Oh, putain. Vite. Allez. Vite, ouais. Matt, okay. T'as vu qui c'est? C'est dans la Reine des Neiges. Allez, Phil. Phil. Alors, je ne porte pas Donald Trump dans mon cœur. Je vais envoyer ça à copine, Gaëlle. Ah, trop bien. Oh, allez, ouais, cours, cours, cours. Putain, il doit envoyer à Gaëlle. Gaëlle Garcia, dédicace. Allez. Merde, j'ai pas compris. Allez, c'est bon. C'est bon. Pose, 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 le délai. Pose, c'est trop. Trop. Allez, mange, t'es allez, on y va. Et ça bouffe. Je suis trop tonné. Et ça bouffe. Papa. Papa. Ah non! Ouais, malus cotonné! Malus cotonné! Est-ce qu'il va oublier le dab? Ah, la déception. Chut, chut, ne lui dis pas! Ne lui dis pas! Ne lui dis pas! Ne lui dis pas. Ah, attention, attention! Attention! Attention, elle descend! Voilà, voilà! Oh, ça a l'air agréable! Ah, je dois vomir! Ah, c'est du Belmondo! Il est magnifique! Il est magnifique! Jimmy Bond, voilà, Jimmy Bond, voilà. Alors le cadreur court sa mère pour le suivre, il est en galère le cadreur. Voilà. Oh bordel. Ok, il est à 1,52 les gars, il est à 1,52. Dans une belle personne. Non, on déjeune après, on déjeune ensemble. Ouais, après, les gars, vous ne dites pas du tout ce qui se passe. Merde. Merde. Il a raté. Yes. C'est dur. Allez, allez, allez. Voilà. Merde. Il a échoué. Ça a touché. Ça a touché. Ça a touché. Stop. Allez. Voilà. Ah, c'est magnifique. Oh là là là. Les casques audio. Mais c'est fini. Go, go, là, ici. Oh. Bravo. 2,41 en temps. Bravo. Brut. Oh, putain. Léo, le pérave. Ouais, tu vas dire bout de 3. T'as la musique. J'ai écouté la musique. attends, attends. Avant les malus, Jimmy, là, comment tu te sens? Non, c'est vraiment le chaud. Le pire, c'est la bouffe. Ah, mais ça, moi, c'est la bouffe. L'arc à flèche. C'est pas facile. L'arc à flèche. Par contre, les gars, la catapulte, c'était stylé. C'est un truc de ouf, la catapulte. Rien vu. Je sais que je suis ton concurrent, mais, ouais, ah, mais je suis quand même content mec, pour toi. Beau, tu t'es bien beau. Donné, c'était beau. Ah, oui. Genre, t'as envie de le refaire ou... Non. Non, le pérave, on t'écoute. Tu as loupé une lance, donc ça fait 2 secondes de pénalité. Tu n'as pas écrit texto, donc normalement, si tu fais une faute, c'est plus 1 point. Mais là, tu n'as pas écrit du tout, donc on va dire que tu as plus 5 de malus. Voilà, ouais. 5 secondes, évidemment. 7 ans. Donc là, ça fait 7. La purée, tu l'as pas bouffée, donc ça fait plus 15 en plus, additionné. Okay. Je suis très nul en maths, je vous démerdez. 22. Et les arcs, c'est 2 points de pénalité par arc. Par flèche. Du coup, c'est 2 fois 3 égale 6. 22 plus 6, 28. 22 plus 6, 28 points de pénalité. Incroyable. 2,41 plus 28. 2,49, ça fait 3. 3,09. 3,09, c'est le temps de Jimmy Lamar, messieurs. Bravo. 3,09. C'est un joli temps. C'est un joli mais temps. Mais on va te niquer. Allez, à un autre tour. C'est parti. Putain, on a peut-être des chances de gagner, mec. Moi, j'y vais. Je suis chaud. Je suis chaud. Allez, vas-y, vas-y. Je suis pas chaud du tout. Moi, je suis toujours allé en premier d'habitude. Pour l'instant, c'est moi qui parte en premier dans l'équipe. C'est toi qui vas maintenant. Et je vais nous sauver cette fois-ci. Comment? Il y a eu un autre. Mais non. C'est parti pour la deuxième épreuve. C'est parti. Quand je dis McFly, tu dis Carlito. McFly. McFly. Allez, encourage-moi. Dis-moi ce que je suis, fais-moi des références pop culture. T'es Son Goku, tu vas Kamehameha. Ah oui. Mais dis-moi des qualités. Rappelle-toi que t'as des qualités, quoi. Vas-y. La pause déj, c'est où? C'est dans un bon resto? Oui. Allez. Plus vite tu gagnes, plus vite on va au resto. Oui. Tu pourras prendre entrée plat, puis plat dessert. Ok. On est parti. Allez, c'est parti, mets-toi en place. T'es mon gars, Souin. Allez, un petit bisou à Titouan. Non, sois gentil avec Titouan. Guénolé, merci. Ok, t'es prêt? Non. Celle-là, elle est pour tous les abonnés. Elle est pour tes fils. Et elle est pour la fois où j'ai un peu dérapé avec ta femme et j'en suis désolé. 3, 2, 1. Vas-y. Allez, go. Oui, c'est bien. Doucement, voilà. Doucement, là. Voilà, prends ton temps. Là, ça, c'est la pire erreur pour lui. L'oreille interne, t'as mis... Ah, il est tombé. Yes. Il fait ça à chaque fois. Il est tombé. Ah, oui. Oh, j'en ai marre. Vas-y. Mais évidemment. Mais c'est des merdes. C'est parfait. Allez, à ton aise. Allez. Mais fonce! Je peux pas, je suis donne tout, mec! T'es Hercule!
Père, il va avoir les trois, je pense. Parce que moi, j'ai foiré le deuxième. Mon pied, putain. Il a pas eu. Il a pas eu. C'est pas mal. C'est bon, j'y vais. Combien? Oh, il est déjà. Combien? 35, 36, 37. 36 secondes. Oh, ça va. J'écris un message sur mon smartphone. Mais c'est quoi cet humour bizarre, putain? Le père arme. Au patron, putain. Allez, il est mort. Regarde comment il marche, on est gris. Il a vraiment la chiasse. Il a les jambes marquées, apparemment. Regarde. C'est vrai, j'ai les jambes marquées, en plus. Allez, bouffe-moi, c'est là où on est bon, là. Qu'est-ce qu'il va le bouffer? Allez, Ah, la violence, je pète, les gars, c'est horrible. Attendez. Oh là, quand tu as mangé le petit poids, j'imagine même pas. Allez, mon gars. Allez, mon gars, sois bon. Tu vas bien? Oublie pas ce qu'il faut pas oublier. Mais quelle horreur! Allez, vas-y. Putain. Oh, putain, tu l'as. Il a pas. Oh, c'est horrible! Putain! Il a enlevé sa casquette. C'est tellement fatigant de courir pour nous. Sans casquette, il est beaucoup plus aérodynamique. Il fend l'air beaucoup mieux. Ah, je suis épuisé. Il faut savoir que l'arc et la flèche n'est pas la spécialité de Charlito. D'ailleurs, il y a peu de choses qui sont la spécialité de Charlito, vous avez remarqué. Allez, sois bon. Ouais. Si mets la première, c'est bon. Ouais. Allez, concentre-toi, mon gars, tu peux y arriver. Oh non, il va la mettre. Allez. Ah, putain, allez bien. Ah oui, putain. Oh non, c'est dingue, c'est long. Ah, c'est pas mal. Ouais! Oh, putain, ça va être pareil, ça va être pareil! Vite! Non! Il faut qu'il appuie! Oh, j'ai plus! Le téléphone portable! Touche, gauche! C'est où? C'est fini! T'as fait presque pareil! Alors? Eh, t'as vu les petits points? C'était bon? T'as vu les petits points? C'est impossible! Écoute bien! Mais, t'as été très bon! Enfin, t'as pas été mauvais! Non, t'as été assez mauvais. C'était pas mal, Tu changes de couleur un peu là, fais gaffe. C'est horrible. C'est pas mal, hein. C'est le plus dur. D'accord, okay. En termes d'épuis, je sais pas pourquoi. Si, parce que le sol est mou. Bravo, Raphaël. T'as encore fait tomber tous les trucs. Mais mec, 1m91, 89 kilos. Mais tu ne prends pas le temps. Fais attention. Mais sinon, c'est très bien. Tu t'es bien donné, le SMS, c'était bien. Les poids, c'est pas possible ou quoi, les petits poids? Les poids, c'est impossible. Alors, c'est plutôt bon. Oui. Ah oui. D'accord, mais il y en a 1000 kilos, quoi. En temps brut, tu as 3 secondes de plus que Jimmy. Ouais. Donc, ça va. Ah. On va voir avec les malus jusqu'où on monte. Bien ton tel, Léo? Est-ce que vous êtes prêt à me voir me tromper sur les scores? J'ai une question. Est-ce que j'étais beau à regarder? Oui. Magnifique. Incroyable. Est-ce qu'on peut se concentrer, bordel de merde? Tu as manqué le coton-tige. Tu as fait tomber les deux bords du coton-tige, donc ça fait. Exactement 5 secondes. Tu as manqué le poteau 2. Le poteau? Oui, tu l'as fait tomber. Ouais. Tu l'as fait tomber. C'est quoi le poteau? La barre au Connemara. Du coup, ça fait 7 secondes au total. Ensuite. L'anneau, tu en as manqué 1. Donc ça fait plus 2 secondes. Donc ça fait un total de 9 pour le moment. Le téléphone, c'est bon. Tu n'as pas fait d'erreur. Tu as écrit le texto. Nickel. Mais flattez-moi! Flattez-moi! Bravo! Le date, tu l'as raté. Vraiment, je suis navré. Ah bah attends, il y a combien? Les petits pois! Ah oui, c'est vrai, les petits pois! On recommence tout depuis zéro! Non! C'est le pire! Qui l'a choisi? Il me stresse! On l'a pris! Donc là, on était à 9! Oui! Yes! Ensuite, c'est la purée de merde! Ça fait plus 15 secondes, ça fait 24! 24, voilà! 24, plus le saut de dab, tu n'as pas fait de dab, donc du coup, ça fait plus 5 secondes, donc ça fait 29 secondes de pénalité, soit une seconde de plus que notre ami Jimmy Labeu, le comédien. Ça nous fait un temps brut de 2,44 plus 29 secondes de pénalité, ce qui fait un total de. 3,11. C'est pas mal. On est sur 3-13 là, j'ai l'impression. Ouais. 3-13 ouais, voilà. Ah, donc ça fait un total de 3-13, ce qui fait 4 secondes de plus que la bœuf. C'est pas mal, car c'est pas mal. C'est bien serré là. Il est bien plus vif. Pose-déj, on y va, on va bouffer les gars. Allez, merci Pose-déj. À bientôt. La suite dans une autre vidéo. Allez, pour la baiser. Bon Bruxelles, maman! Allez! Ah! Son crachat, ça pue! Allez! Bon Bruxelles! Bon Bruxelles! Attends! Il est là déjà! Mais non, mais qu'il est con! Pas encore! Mais tu sautes très très bien! On est prêts? Garde l'énergie! Attends! Tu es ce personnage dans la Reine des Neiges! Faut embrasser le chevalier! D'accord! Embrasse le chevalier derrière toi! On est bon? Non, embrasse-le! Embrasse-le, le chevalier! Bisous!
Et avant toi. C'est Man se fait des films, suivez-le sur YouTube, il est excellent. Attends, t'es prêt? Yes. 3, 2, 1. Hop là. Attends, attends. Oh, regardez-moi ça. Oh. Allez, monsieur. Allez, monsieur. Allez, c'est déjà du mal. Prends une lance. Oh, oh, comment il l'a pris, stylé. Putain, putain. Vas-y. Allez, on y va. Allez. On y va. Madame de santé. On y va. Il a une cambrure. Alors, alors. Maman, c'est génial, j'adore. Hop. Dépêche-toi. Que trépas si je faiblis. Dépêche-toi. Oh putain. Grouille. Allez, il envoie son texto. Grouille, grouille, grouille. Regardez le corps, regarde mon visage. Tu as une manière de courir hilarante. Il est bon. Par contre, sans blague, je crois qu'il est épuisé. Je sais pas si tu vois. Vas-y, vas-y. Ouh. Pas cotonner de poids, allez. Allez. Ah, c'est pas grave. Si t'arrives pas, c'est pas grave. Ah, bien. Merci la gauze. Il a salué à la belge. Il a salué. Allez, allez, le dame, le dame. Oh, il l'a dit, il l'a dit, il l'a dit. Si, si, il l'a dit. Ta gueule. Le dame, le dame. Ouais. Oh là là. Allons-y. Allons-y. Ce dame est... Fais gaffe. Mais c'est un chevalier, un véritable chevalier. Saute. C'est pour ça qu'on l'a pris. Mais putain, mais n'est-ce pas. On est mort. On a combien? On a... Allez, on a un coup. On a un coup, Matt. Ce visage est fou, les gars. Oh, je suis explosé. Oh, putain. Oh. Allez, on met la petite fléchette. On est bon. On est bon. Oh, il a raté, il a raté, il a raté. C'est Albert, il a touché. Il est pas bon. Non, 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 il a pas touché. Mais non, il a pas touché. Il a pas touché. Ça reste enfoncé. Ok, ok, là. Oh putain, il est beau, sur l'arrière de la clope. Dépêche-toi. Il a tous pareil. Il en peut. Vite, vite. Top, top. Si, si, si. Voilà. Il a fait le meilleur. 40, il a fait le meilleur. Il a fait le meilleur temps. Mais c'est bien. C'est trop bien. Je vous dis, il est exténuant celui-là. Viens ici. C'est bien, mon gars. T'as été bon, mais... T'as été très bon. Merde, Léo, comment ça va? T'as écrit le texto ou pas? J'ai mis... Non. Bah non, ah, ouais, j'ai mis maman, ok. Donc ça pue le malus, ça, mon grand. Allez, les gars. Je vais aller tomber dans les vapes. Mais mec, t'as le meilleur visage. C'est le meilleur. Ah ouais, non, mais tu m'as tué de rire. Pourquoi t'as salué après la boisson? Comme un mec du Moyen-Âge. Réflexe. Bon, ok, donc très très bon temps, c'est très serré, ce YouTube Warrior là. On va passer maintenant au malus de Léo qui va évidemment rater dans ses comptes. Ce sera bâclé. Là, on fait les choses bien. Non. Calmement, posément. Téléphone, raté, ça c'est 5 secondes. Purée, raté, 15 secondes en plus, 20 secondes. Et le dab c'était bon, et l'arc tu en as loupé deux fois, donc ça fait 2 fois 2. Ça fait 3 minutes 4. 24. 24 secondes de pénalité, ça fait 3 minutes 4. 3 minutes 04. 3 minutes 04 en temps additionné pour notre ami Matt. C'est le meilleur score, mesdames et messieurs, le meilleur score. Peut-on répéter les scores de chacun, s'il vous plaît? Avec joie. Jimmy a fait 3-0-9. Calito, tu as fait 3-13. Matt, tu as fait 3-4. 3 minutes 04. Très capable de dire 3-0-4. Ok, après addition des scores existants, le postulat est très simple. McFly, pour qu'on l'emporte et qu'on souffre pas encore une fois, doit faire moins 3 minutes. Avec les malus. Franchement, c'est chaud. C'est chaud, mais c'est serré. Tu noteras, il y a un truc qui est intéressant, j'espère, c'est qu'on est tous à peu près serrés. Ouais, chaud. On est même pas à 10 secondes. Tu te rends compte, il y a encore beaucoup de chances qu'on perde. Comment c'est possible? C'est ta faute, ça y est, je te le dis. Je suis désolé, c'est ta faute. T'es horrible. Ok, c'est pas ta faute. Soutenez-vous, croyez-vous. Arrêtez, stop. Allez, dernière étape. Va-t-on l'emporter? Vous le saurez après la pub. McFly! Tu dois faire moins 3 minutes, il est hors de question et je te mets pas la pression qu'on perde. Bah c'est du coup quand même. Ouais, écoute-moi bien parce que moi je sais t'encourager. Tu es gros glouton. Tu es un Hercule gourmand. Tu es un ange avec des couilles et tu es un buffle spirituel. Bon, ça ne change rien en fait que voilà, d'accord. Si tu n'as aucun cardio. Mais mec, t'es très fort, t'as tout en toi, d'accord? Je vais me donner à fond, mec, d'accord, je te jure. Ok, j'ai du désir. Je vais pour être toi. Moins drôle peut-être sur celle-là tellement je vais me donner. Non, parce mais que mec, j'ai pas vraiment, du tout envie de perdre. En plus, sérieusement, on perd pas. Ok, on va pas. Je ne rigole pas sur celle-là. Je me donne. Fais-moi un cri là de force là. Je t'ai dit, non, mais je suis à fond là, vraiment. Aïe! Fais-le pour tes enfants, ok? 3, 2, 1, go! C'est magnifique!
Combien 14, 15. Allez. Frère de sang. Ok. Frère de sang depuis toujours. Frère de sang. Attention. Ils sont bien, putain. Allez, mon frère. Vas-y, mon frère. On est bon. Allez. On va gagner. Ok, on est bon. Ils sont bien. Il est bien. Il est pas mal. Il est bien. Papa. Papa. La seule fois où j'ai fait jouir une femme, elle a simulé. Ah. Allez. Il est vraiment bien. Ah, oh, putain. On va voir. Ok, on est parti. Là, c'est mon épreuve à moi, ça. Il le fait. Mais c'est une bonne idée. On s'en fout. Il a voulu par appétit. Il a voulu. Oh, le bouton. Là, t'es très bon, là. Il est pas mal du tout. Reste concentré, tu es très bon. Ok. Allez, les gars. Allez. Voilà. Je le rappelle, McFly doit faire moins de 3 minutes avec les malus cumulés. Voilà. Allez, donne-toi. Respiration, c'est la respiration. Voilà. Tout est dans la respi. Ah non, c'est chaud. Mec, j'en peux plus de perdre, de toute façon, les gars. Attends, il reste 45 secondes. Allez, 45 secondes. C'est très bien. Prends ton temps. Allez, non. Il va le faire, on va perdre. Tout à gauche. Voilà, c'est quoi? Ah, c'est bon. Putain. Mais non, 15, il a pas mangé. Quoi? Ah bah oui. Donc c'est pareil, ça. Ah non, quoi? 59. Quoi, combien, quoi? Mec, t'as été ça respire. Fluide. Très bien. C'était beau. Mais arrêtez de débriefer. 2.34. Est-ce que j'ai fait le meilleur ton brut? Oui, bravo. Déjà. Les gars, c'est bon ou pas déjà? Et excusez-moi aussi, mais le texto, c'était le truc le plus long. Ouais. Écoute bien le texto que je devais envoyer à mon père. La seule fois où j'ai fait jouer une femme, elle a simulé. Oh, c'était drôle. Ça va être horrible de lui expliquer ça. Je t'en supplie, là. Là, je suis pas d'humeur. Sois bon tout de suite. Ok. L'angoisse. Allez, balance les malus. Ah, ok. Tu n'as fait aucune erreur au début. La seule erreur que tu as fait, c'est au texto. Tu as fait 4 erreurs. Ouais, 4 fautes. Okay, 4 fautes dans le texto. 4 secondes de pénalité. Ok. Tu n'as pas mangé la purée, donc ça fait 15. J'ai mangé 19 secondes de pénalité en 19. Tout. Et c'est tout. Attends, 34 donc plus 19. Vous avez gagné. Ça nous donne 44 plus 50. 53. On a gagné. Mec, c'est le premier YouTube Warrior qu'on gagne. Mec, il vient de faire un câlin. Bravo. Allez. Ça, c'était pour mes enfants, ok? Oui. Ça, c'est la force de ma fille, de mon fils, oui, de ma femme. Bien joué. Oui. Mec. J'adore. Je voudrais remercier la légende des chevaliers. C'est cet endroit qui nous a accueillis. On peut les applaudir, ils ont été fous. L'équipe de Laurent, ils sont dingues. Ils font des spectacles tous les jours, 7 jours sur 7. Venez les voir. C'est des spectacles de chevaliers dans ce décor et c'est trop stylé. Ça se situe à Provins. Attends, je me remets du coup de la victoire. On n'a jamais gagné. Oh là, c'est savoureux, c'est si savoureux. Oh, on va vous mettre un truc sur votre chaîne. Et ce sera terrible. On fait ce qu'on veut. Ouais, oui, tout. Oh là là. Vous allez prendre pour Mister V et vous allez prendre pour Lucas et Maxence. Vous allez prendre pour tout le monde. Et aussi, vous allez prendre pour la haine que j'avais à l'adolescence parce que les gens me raquettaient. Voilà, non, ça peut être un peu. Merci aussi à Lord Mobile. Oui. C'est grâce à eux, tout ça. C'est eux qui ont misé sur nous, qui nous ont aidé à mettre tout ça en place. Vous avez vu le nombre d'accessoires. Merci à toute l'équipe de chef déco, prod et tout. C'est monstrueux. Mais c'est grâce à nous, les cadreurs, bien sûr. Tout, toi, voilà. Les ronds de cuir. Très content. Ne rigole pas, Max. Je sais. Concernant le jeu, McFly, dis-nous ce qui se passe. En fait, Lords Mobile vous permet de gagner des choses, notamment des packs pour commencer le jeu avec un petit peu des levels upgradés. Vous allez voir en description, il y a même un iPhone à gagner. Et c'est pas des vieilles chaînes pourries, tu sais, qui font gagner des iPhones. Ah, il y a un vrai iPhone. Oui, là, à y a un vrai délire. C'est un vrai truc. Donc merci à eux, allez checker en description. Merci à vous d'avoir suivi. On espère que ce 3 vous a plu. Sachez qu'on est déjà en prévision du 4 et du 5 et que c'est complètement fou. Je sais pas quelle caméra regarder. Et on s'en fout car on a gagné. Quels invités vous voulez pour les prochaines? Dites-nous en commentaire. Merci, ça. On va se manger rendez-vous lundi à 18h sur la chaîne de Jimmy Labeu pour voir ce qu'on aura prévu. Mais croyez-nous, on va enfin se lâcher. Merci, parfait. Vous connaissez notre phrase de fin, les gars. Ta gueule. Souscrivez à un abonnement. On n'a pas rendu les affaires à l'heure. Oh putain, on n'a pas rendu tes affaires, gars. Bah oui. Mais je vois pas que ça sert. Hein. Mais oui, tiens, en fait, ton tel, t'as eu, je crois, 2-3 appels. Ouais. Attends, excuse-moi. Ah, c'est la batterie. Ouais, petite batterie comme ta clope de merde, de toute façon, c'est de la merde de fumée. Ouais, c'est bien, continue. Ah, ça aussi. Ça, voilà, ton casque. N'oublie pas, c'est important d'écouter du bon son. Et ton ordi. Voilà. D'ailleurs, est-ce que tu pouvais répondre au mail un peu plus? Attends, juste. J'ouvre Gmail. Vas-y. Attends. Merde, mon mot de passe. C'est bon.